Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cinquième et dernier sortie de fenêtre culturelle pour la semaine. Mais quelques titres que nous prenons gagner pour nous développer pour dans la fenêtre à souhait. Théodore Beaubrun Jr. et Ginette Beaubrun, c'est deux personnalités que staff Havana Guitar Night honoré pour travailler dans le domaine culturel jeudi 11 avril. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs acteurs culturels pendant une soirée dans le Fouba restaurant. Association professionnelle artisan Tap Tap Autobus Haïtien a présenté jeudi 11 avril 9 nouveaux modèles carrosserie dans le gymnasium Vincent. Responsable association en fait connaître que le modèle Sayo a respecté le standard transport public. Dans le cadre d'une tournée la réalisée dans le pays pour annoncer célébration 30e année comme artiste, chanteur Bitova Ouba affiché dans une soirée tête à tête samedi 13 avril dans le village Pétionville. Et c'est titre ça avec l'autre encore que n'a pas développé pour vous, mais avant, n'a pris un coup de pause. Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer NAD, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. NAD, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec NAD, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du curl plus NAD, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. NAD fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme NAD, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. NAD, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits NAD sont disponibles partout en Haïti. Je fais musique depuis 47 ans. Je toujours fait l'axe aussi pour m'offrir nous ça qui est bon. Depuis tout le temps, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec Frémio. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, moi, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne parlons même. Et puis tout, chaque note que je compose, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respectez les droits comme artiste pour nous continuer à nous tout ça que nous avons gagné pour nous. Nous retournons après pause là, madame, monsieur et Jean, nous t'ai annoncé là, préparation quelques plats qui correspondent à sens commémoration moment Pâques là, qu'on paraît difficile pour quelques amateurs cuisine. C'est pour raison ça, chef cuisine dans l'école hôtelière d'Haïti, qui trouvait un manque dans le domaine ça, ou a intérêt pour l'expliquer différentes techniques qui sont adaptées dans la cuisine là, pour un dîner pascal facile. Un reportage avec Johan Jacquet et puis Lydie Dieudonné. Après 40 jours jeûne, différents chrétiens célébrent la résurrection Christ là qui c'est une commémoration renaissance à retour lumière. Fête ça a deux dimensions, religieuse et puis païenne. Toutefois, fête ça varie selon religion yo, mais chaque pays a une tradition qui propre à eux-mêmes surtout dans la cuisine. Tant qu'en Haïti, nous utilisons des ingrédients locaux, surtout pour la préparation de plats, soit sortis dans vendredi saint pour arriver dimanche Pâques. Tant qu'en zé, légumes, tant qu'en betterave, chou. Réalisation de manger qui est facile pendant tout ça, qu'on paraît difficile pour quelqu'un. Ça, c'est un chef dans l'école hôtelière d'Haïti, Giovanni Théodore, a prouvé dans l'explication Libaye sur différents processus qu'on peut entreprendre. Ou quand j'aime des recettes vraiment faciles, si je prends exemple de menu ça qu'on était préparé pour dîner de Pâques, ça veut dire on dit zemimosa. Zemimosa son bagaille, on va dire, n'est pas fait à base de viande ou quoi que ce soit, mais son recette qui est facile. Parce que son bagaille qui fait à base de œufs. Quand du Pâques on dit œufs. Et comment elle était faite, c'est bouillir nous bouillir œufs. Et puis nous retirer jaune œufs, nous préparons face avec. Et puis là nous fin préparer face ça, nous mettons long
l'on poche à douille et puis nous remplissons les œufs encore. Seul ça qui prend temps la donne, c'est cuisson aux œufs. Et cuisson aux œufs, si vous mettez de l'eau bouillante là, 7 à 8 minutes, vous supposez jeûner aux œufs complètement. Après ça, si nous entrons dans l'autre petit détail, il y a morue, quand la cuisine est facile, de pour finir des salés et pour faire ou préparer mes emplois, ce qui c'est oignon, l'huile et piment, sauf le mettre là-dedans et pour préparer salés. Tout ça, c'est des plats typiquement faciles qu'on peut réaliser. Gastronomie haïtienne a une pile importance pour l'institution ça. Dans le travail de formation, dans différentes disciplines, direction en pensée, c'est plus bon moyen pour contribuer dans le développement économique et touristique pays. Dans ce sens, même pour préparer un dessert pour Pâques, chef James Marvin bien-aimé recommande un gâteau à carottes. Bon côté un gâteau qui pas ni vanille ni chocolat ou bien fût renversé. La carotte là aujourd'hui, c'est produit du terroir, j'en ai tab zona. Donc recette là n'est pas difficile. Di ki sa ou jwenn la dan, nou jwenn karot, ou jwenn li genyen l'huile végétale, li gen suc, ok, li gen cannelle, ok, li genyen bicarbonate de soude, li genyen poudre à lever la dan, ok, li gen farine, suc. Nan gato karot lan, ou ka deside mete raisin sec, ok, et ou ka deside tout mete noix la dan tout. Pâques la symbolise tout, déclaration la foi nous nan puissance sans abrédemption Jésus-Christ. Merci Joanne et merci Lydie. Kounya la nou pral pale musique côté chanteur Bitova Ouba a un concert samedi 13 avril lan nan le village Pétionville. Concert sa ap rentre nan cadre yon série performance que artiste la lui-même la gen pou le bay nan peyi an nan occasion célébration 30e anniversaire carrière artistique li. Toujours dans l'idée ça, artiste la annoncé publication yon nouveau album li k'ap titré Bon Bagay. Qui c'est un tableau situation socio-économique et politique en Dieu. À la demande du public, nous avons fait l'autre soirée, le 13 avril, parce que Focal Santé Espace. En fait, ce n'est pas dans la célébration 30e année. Tout nous avons fait 30e année, nous pouvons célébrer. Et si la situation pays a permis, nous avons célébré en juillet, avec des invités, côté que nous avons couvert trois tranches. Je dis trois tranches, nous avons couvert trois générations. Les gens qui sont avant nous, comme ça nous relève les seniors, nous avons les gens qui sont dans l'âge par nous. Et puis avec les gens qui viennent. Donc, les gens qui vivent devant nous, normalement, nous sommes qui t'ont invité, les gens qui sont au balcon, les gens qui sont au Charlemagne. Malheureusement, ils sont partis en vente. Ils sont partis en vente d'être là. Nous avons une mémoire à eux-mêmes, nous pensons à eux en pile. Mais à l'occasion, nous avons invité des gens qui sont Sito Kave, des gens qui sont au Réginal Policar, et nous avons invité Ralph Tamar, puisque moi-même, je suis à Malavoie, peut-être Malavoie, c'est un paquet qui est trop lourd, et peut-être nous avons choisi ou mon que Ralph Tamar dans le senior. Nous avons choisi dans la génération Panouan, Mano Baki Frère, grâce à lui, j'ai retrouvé ma voix, et puis et Fabrice Rouzier, qui pour moi est un carrefour incontournable de la musique haïtienne. Ça veut dire que tout le monde passait par monsieur, dont moi-même, et puis moi-même. Et donc, pour Genio, c'est clair, je pense avec des jeunes artistes qui sont talentueux, que je peux inviter sur l'album là et qui sont là pour la période ça. Mais, moi là pour le 13 avril. Le 13 avril, à l'espace Le Villat, à partir de 9h, pour nous faire un concert extraordinaire avec Philippe là. Toujours dossier musique, tout est accompli. Ce titre, dernier musique, vidéoclip, chantait Marc Edmond, que les rendent public vendredi 12 avril 2019 là. Morceau musique ça c'est une musique traditionnelle qui m'a connu avec l'esprit période Pâques. Zèv ça d'après artiste l'en rappelé chrétien yo qui ça l'amour Jésus-Christ symbolisé en Dieu. Marc Edmond c'est un musicien chrétien qui a évolué dans la tendance jazz avec toute musique qui rapprochait jazz. Dans l'année 2018, il sortit musique qui gagne pour titre Impossible n'est pas chrétien. Musique ça t'a pas débouché sur un album. Yon l'année après, il vini avec tout est accompli. Atisla a présenté musique là. Tout est accompli son musique de circonstance ngadi nous produit là pour semaine Pâques là et vidéo en sorti jodi en audio disponible tout sur YouTube avec sur Instagram Marc Edmond Musique sur Facebook Marc Edmond Musique aussi
Donc, c'est une musique que nous dédions particulièrement à tout chrétien qui comprend la réalité qui est Pâques et Saint Jésus qui est coulé sous la croix. Et il dit que tout est accompli, donc il y a deux fardeaux que nous n'avons encore et nous ne sommes pas esclaves péché encore. Donc, nous libérons, nous gagnons victoire. Notre relation avec Dieu s'est dégradée. Dans notre ville, le péché s'est installé. Nous marchions tous vers la perdition. Dieu a concocté un plan de rédemption. Si Impossible n'est pas chrétien, tu as annoncé un album. Tout est accompli, annoncé une série vidéo à quelques autres projets. La musique, ça, c'est l'hypito annoncé de plusieurs autres singles qui pourraient sortir dans des moments assez précis. Donc, pour période des fêtes des mères, je suppose que la musique a sorti. Pour nos musiques, tout doit sortir pour Timoun. Par rapport de musique, c'est un analyste programmeur, un développeur web, mais aussi je vais lancer une ligne fashion, moi, market, mon fashion. N'achetez ça? Adis la mette en phase sur l'histoire de rédemption de l'humanité, les rappeler tout chrétien, vous libérer, tout accompli. Tout est accompli. La dette est payée. Le coup fatal est donné à l'ennemi. Oh, tout est accompli. Staff Havana Guitar Night a réalisé une cérémonie hommage dans Foubar pour Théodore Beaubrun et Ginette Beaubrun jeudi qui était 11 avril. Personnalité yo recevoir Onessa pour travailler fait nan kilti haïtienne. Soirée hommage ça a été déroulé en présence divers artistes et personnalités dans le monde culturel. Garo Saint-Ilus pour un reportage. Jeudi 11 avril là. Rendez-vous en TKC dans Fouba avec traditionnelle soirée Havana Guitar Night offri. Un événement qui marquait avec l'initiative Staff Havana Guitar Night apprend pour honorer deux personnalités qui marquaient le monde culturel là avec travail. Théodore Beaubrun Junior et Ginette Beaubrun fait qu'on ait apprécié ce geste là. C'est semaine ça que tout bagage ça un peu a venu sous moi dans le sens que et pour Wadla, pour Priya, tout ça. Donc. Bon, je suis content de l'initiative là, de même que Ginette Beaubrun, Mélanie. De vous parler de hommage à Théodore Beaubrun, ça représentait un paquet de bagailles pour moi-même spécialement qui était Madame Théodore Beaubrun et un acteur qui était accompagné Théodore Beaubrun sous scène. Donc, et ça fait une bonne bagaille. Chaque coup parler de ça. Oro Baté Jacounombe, on fait qu'on est l'important pour valoriser l'artiste pour travailler. Yves Penel, directeur général ministère Kilti sous Bopal, fait qu'on est les plus bons les honorer une personnalité pendant les vivants. Il dit tout, la travail pour permettre aux comédiens de jouer une valeur qu'ils méritent. De légendes vivants comme ça, c'est des gens qui vivent sur scène, qui font comédie, ensemble avec papa. Je pense que Dédoué monsieur et son nez que m'adore particulièrement. Banabé pour Cariel, pour Paul Colli, pour ça que le fait, pour culture haïtienne. Dédoué monsieur pour que je me présente là, pour me rendre hommage à et me sentir fier d'être là. Ça fait plaisir à ce homme là. Ouais, honorer Barnabé comédien, c'est pas le chanteur, c'est comédien. Et puis il y a Mélanie également, il y a honoré. Ça me parce que c'est un gros bagaille, parce que c'est à encourager. Soyez au massa, t'es marqué tout avec participation des jeunes talents avec beaucoup d'expérience qui pas manqué chamé public là avec divers morceaux you gain dans répertoire. Activité ça a entré dans le cadre de mission Havana Guitar Night gagné pour faire qu'on ait jeune talent et puis honorer artistes qui marquent la société. Moment arrivé pour nous observer. Deuxième pause, nous, mesdames et messieurs, pas déplacer, Naptoune. Hey, pas d'avoir parlé. Oh, c'est Joël. D'accord. Mais
mes amis. Oh, oh, oh. Dis Joël, où est-ce que vous avez une lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, la lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descendre, monde campée, bye machine passer. Et pour apprendre à garder la lumière, vous avez traversé la rue. Où est-ce que vous aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal, la loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames, ça y est, ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, castant oreilles, chat avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia, Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie ou? L'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant à utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Nous retournons après pause là madame monsieur n'a pas continué avec information yo côté que association professionnelle artisan tap tap autobus haïtien yo présenté 9 modèles carrosserie jeudi 12 avril 2019 dans gymnasium Vincent camionnette tap tap minibus tap tap mini autobus c'est quelques parmi modèles carrosserie artisan qui fait partie association ça a gagné yo même pour yo construit fondateur association hein. Petit bois Ansner fait qu'on est nouveau modèle carrosserie ça yo a respecté toutes nos standards transport public là ça qui pourra le permettre passagers voyager puis bien et puis faciliter mon handicapé. N'a suivi un extrait avec Vladimir d'Artois. Image à droite moi là c'est eux même pour nous prendre c'est eux même qui modèle là qui pourra le permettre que leur monter genre de modèle carrosserie ça yo ou pas grand risque côté que casse tomber. La donne aussi, l'orchita ou abjène ban recouvri, normalement qui gagne bon coussin, et ou abjène sonnette pour sonner, ou ap capable de jouer une lumière la donne, et ou abjène moyen aussi. Même lorsqu'on a un problème de douleur rhumatisme, ou ap monte ka aussi, ça ou abjène y calculer hauteur là, qui pourra le permettre au pi à l'aise dans le travail, dans le fait. C'est que le modèle ka aussi, ça nous fait déjà, et nous fait demander avec la présidence déjà, et le gouvernement, l'État haïtien, ni secteur privé des affaires, ni les diplomates, ni ambassades, ni ONG. Nous demandons pour mettre ensemble avec l'État pour nous joindre 10 modèles, 10 têtes véhicules. Nous même nous avons 9 modèles carrosserie qui pourraient permettre que 25 ans à venir, jeunesse, ne pas passer dans la même situation, machine en dégradation dans le pays. Là, nous parlons de monde qui a des problèmes rhumatismes, nous entrons dans le même cadre avec handicapés. Ça fait dans le texte nous soutenons, nous parlons de mobilité pour faire des gens handicapés. C'est même que nous parlons de réduction, c'est parce que nous avons un plan. Nous avons même 10 têtes de véhicules, nous avons besoin d'une là-dedans. Ou pèse un bouton, châssis à descendre, floche avec trottoir. Les vins floche à trottoir, nous avons un plan. Automatiquement, nous avons fait carrosserie ça. Secrétaire d'État handicapé, pour éviter le vin monter machine ça. La montée avec chaise roulante, nous avons retiré deux places qui sont en droit. Et puis, nous avons lock chaise là. Automatiquement, quatre carrosseries au lock, nous avons transporté pour nous faire un tour, pour nous montrer le monde comment nous avons un plan pour aider les handicapés. N'a pas remercié Vladimir d'Artois, n'a continué avec information au côté comité exécutif Spring Festland lancé officiellement première édition festival là qu'a fait dans Calico Beach sorti vendredi 12 pour arriver dimanche 14 avril cap vini là. Na occasion lancement directeur exécutif festival là Joseph Petithomme profiter par nos groupes qui a participé autant coup harmonique Mascompa, Jakout, Impossible, DJ Valmix, DJ Tony Mix pour citer ça seulement. Katiana Michel et André Chéri. Springfest au bagage jeune, c'est une raison que nous avons un groupe de jeunesse que filles que garçons que nous mettons ensemble qu'en Haïti, t'apprécier pour monter mouvement ça pour nous capote au bagage qui fait à Cancun, Jamaïque, tous différents côtés. Ou façon pour nous promouvoir le pays, pour nous faire des jeunes haïtiens américains pour venir en Haïti. Et nous sommes en même temps tout pour les jeunes haïtiens qui apprennent de week-end ça, qui sont week-end côté tous étudiants, tous jeunes, mettent ensemble pour venir prendre plaisir, pour sans réfléchir, pour bref, pour avoir fun, sans stop, sur essayer de porter un mouvement ça ici.
Moi-même, pas voulais pour me faire pour jouer pour diaspora. Je voulais faire pour petits jeunes haïtiens tout. Pour commencer à prendre un week-end spring break, week-end avant Parkland. Chaque année, il y a des petits corps pour get away pour 3 jours, 4 jours. Pour prendre plaisir, pour tout le monde. Demain matin, nous avons Reggae on the Beach. Côté nous avons Rebel Lion Tap Hosty, qui sont des artistes en Haïti, qui a évolué et qui parle international very soon, huge, big. So, nous avons un monsieur tout. Cap la vienne enjoy manger bref $60 à manger bref et puis enjoy journée et puis vendredi soir côté nous gon pyjama party avec toutes ces jeunes mesdames qui besoin bagay koyo avec ces messieurs qui viennent avec pyjama yo nous gon belle soirée pour dans ça et dans cette soirée en tout nous gon géant programme dans Esquina Latina avec deux géants groupes que mon appelé non stop pour ticket et puis samedi soir nous gagne où j'ai un programme avec T-Vice, Impossible, King France, et puis nous avons DJ Valmix, DJ Nani, DJ Gifted, et DJ Steezy. Et puis dimanche, c'est le gros moment festival. Là, on a tout le monde net, à la Mbade, tout dans tout coin, Léogan, tout Nolan, tout côté net, Saint-Marc, Akaye, tout le monde s'en a passé dans tout le monde. C'est cassé $30 américains, mais King Kino, personnellement, dit, mais la barre au rabais, que $20. Avant une heure, tout le monde qui vient $20, tout le monde qui vient avant une heure paye simplement $20. So, tout le monde porte la poubelle depuis à 9h du matin. So, essayez de venir en foule pour nous essayer de prendre un ticket par nous. Merci Katiana, merci André. Et puis on continue, mesdames, messieurs. Sorti 13 pour arriver 15 avril, les Sentinelles de l'Église de Dieu en Christ, dans Kafou, a organisé 3e édition festival Adoration Yo Souchon Mas. Activité ça qui prévoit réaliser en baptême les arrivées pour nous adorer bon Dieu, réunit divers groupes musicaux et artistes évangéliques qui performait devant public à présent. D'après Pierre-Marie Jean-Michel, représentant comité festival, objectif là, c'est évangéliser et puis sensibiliser monde sous parole Jésus-Christ. Festival Adoration, c'est une activité hautement évangélique et évidemment spirituelle qui est organisée chaque année par l'Église de Jésus-Christ de Carrefour-Feuille en collaboration avec d'autres assemblées chrétiennes qui viennent d'un pays. Et activité ça l'organise sous thème les arrivées, j'en suis dit, les arrivées pour nous adorer bon Dieu tout bon vrai, que nous venons dans Jean 4, verset 23, qui dit l'heure vient et elle est déjà venue, adorons le Seigneur. Donc, l'un qui objectif nous organiser activité ça, nous organiser, c'est pour nous capables de rendre gloire et honneur à Dieu pour sa toute puissance et également entraîner le secteur évangélique là et la société en général. Là, on dit dynamique d'adoration continuelle, on façon pour nous préparer nous pour l'enlèvement de l'Église. Donc, justement, et c'est une façon pour nous capable évangéliser la population, les gens qui peuvent accepter Jésus comme sauveur personnel, pour nous dire au Vini, nous avons des groupes qui sont invités parmi Salmissio. Nous avons Sœur Nadine Mirac qui recevra la révélation divine pour organiser l'activité ça pour l'initiative là. Nous avons Deli Benson, nous avons Raphaël Esther. Nous gagnons Roby Laguerre, nous gagnons Lucina Desius, nous gagnons Prosper Marcellus, nous gagnons Salil, nous gagnons Ozaïti, nous gagnons la chorale, la grande chorale des théophiles de l'Église de Dieu de la Rue du Centre, nous gagnons la chorale nationale des dames de l'Église de Dieu en Haïti, et tant d'autres groupes qui gagnent pour performer. Et avec l'évangélisation, on a fait son façon pour nous pacifier société parce que l'évangile son âme pacifique lié est capable de changer mentalité, capable de porter une autre manière d'être, une autre manière de concevoir les choses, il capable aider nous vivre de la plus parfaite fraternité en façon pour nous capable et bien gagner une société côté tout le monde dans vivre en harmonie. L'heure arrivée pour nous aller madame messieurs, mais avant ben nous rappeler au titre qui t'est fait développement fenêtre culturelle pour asseoir. Théodore Beaubrun Jr. et Ginette Beaubrun, c'est deux personnalités que staff Havana Guitar Night honoré pour travailler dans le domaine culturel l'an jeudi 11 avril. Événement s'est déroulé en présence de plusieurs acteurs culturels pendant une soirée dans le Fouba restaurant. Association professionnelle artisan Tap Tap Autobus Haïtien a présenté jeudi 11 avril 9 nouveaux modèles carrosserie dans le gymnasium Vincent. Responsable association a fait connaître que le modèle a respecté standard transport public.
dans le cadre d'une tournée la réalisée dans le pays pour annoncer célébration 30e l'année le Comatis, chanteur Bitova Ouba affiché dans une soirée tête à tête samedi 13 avril dans le village Pétionville. Et voilà, madame, monsieur, journal culturel lui-même, l'irrivé dans bout li. Nous remercions toute équipe technique, là, nous remercions tout staff, direction culturelle. Là. Merci pour fidélité à Télévision nationale d'Haïti. Non, pas, c'est Pierre-Lin, c'est Caroline. Bon week-end. Bye bye tout le monde.